Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Algérie, 13 ONG appellent au boycott de la présidentielle. Je vous lis le communiqué. Le 7 septembre, les Algériennes et les Algériens sont appelés à voter lors d'une élection présidentielle anticipée, où le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, et deux autres candidats sont en lice. Ce scrutin, dont l'issue semble connue d'avance, vise à consolider la domination du régime au pouvoir, en dépit d'une crise de légitimité profonde qui s'est aggravée depuis 2019. Abdelmadjid Tebboune a accédé à la présidence en décembre 2019 après une élection massivement contestée par les manifestations pacifiques du Hirak et boudée dans les urnes avec un taux officiel de participation de 39,88%, le plus bas depuis l'indépendance. Le premier mandat du président Tebboune a été marqué par un harcèlement systématique et une répression sans relâche contre des milliers de citoyens et militants politiques, par une restriction croissante des libertés d'expression et de presse, et par l'instrumentalisation politique de l'appareil judiciaire, sous le contrôle strict de l'exécutif et des services de sécurité. Jusqu'ici, tous les moyens de l'État sont utilisés pour étouffer la contestation populaire et enterrer toute velléité de démocratisation. Le rétrécissement de l'espace civique est sans précédent depuis au moins deux décennies. À ce jour, plus de 200 personnes sont arbitrairement détenues pour avoir exprimé des opinions critiques envers les autorités ou pour leur activité militante pacifique. Les manifestations publiques sont devenues quasi impossibles à organiser, y compris par des partis politiques agréés. Et ce, depuis le printemps 2021, date des dernières manifestations du Hirak. La société civile algérienne autonome est étouffée et réduite à peau de chagrin. Deux de ces organisations phares, le Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, et la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la LADDH, ont été arbitrairement dissoutes par la justice administrative entre 2021 et 2022, et deux partis politiques d'opposition, le Parti socialiste des travailleurs, PST, et le Mouvement démocratique et social, le MDS, ont été suspendus entre 2022 et 2023 pour une durée indéterminée. De plus, des dizaines de membres de ces associations et partis ont aussi fait l'objet de poursuites pénales et plusieurs ont été contraints à l'exil. Le slogan de l'Algérie nouvelle du chef de l'État, censé marquer une rupture avec les pratiques du régime d'Abdelaziz Bouteflika, a aussi sonné le glas d'une presse qui jouissait avant 2019 d'une relative liberté de temps. Les journalistes et médias subissent de plein fouet la répression, à l'instar du journaliste Ehsan Al-Qadhi, qui purge une peine de 7 ans de prison pour avoir exercer son métier. Malgré la répression et la mise sous cloche de la vie politique, les aspirations démocratiques exprimées par les Algériens et les Algériennes durant le Hirak restent d'actualité. Une large majorité des citoyens avaient refusé de voter lors de l'élection présidentielle de décembre 2019, du référendum constitutionnel de novembre 2020 et des élections législatives de juin 2021, estimant que les conditions d'élection libres et honnêtes n'étaient pas réunies. Dans de telles conditions, l'abstention est un acte politique significatif. Or, le droit de vote est plus que jamais traité à l'occasion de cette présidentielle comme une formalité administrative et non comme un acte politique, un pilier de la citoyenneté et de la démocratie. Dans ces conditions, la crise de légitimité et l'absence d'un état de droit ne feront que s'aggraver, au détriment d'une société qui a démontré sa volonté politique d'écrire une nouvelle page de l'histoire algérienne, celle d'un état de droit démocratique. Fin de communiqué, nous débattrons avec nos invités de la fin d'une campagne électorale pour une élection jouée d'avance, sans intérêt populaire, et les appels de différentes ONG à boycotter la présidence
la présidentielle prochaine, juste après cette petite intro. Fin de la campagne électorale pour une élection jouée d'avance. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission, presque tous les jours, notre ami Jamaldine Benchenouf, qui est journaliste, observateur politique, qui nous accompagne donc pendant cette couverture spéciale de la chaîne. Et il est avec nous sur le plateau. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci à vous, Al Magharibia, de permettre de m'exprimer sur ce sujet très crucial pour l'avenir de notre pays. Barakallahu fik si Jamal, yatik saha, très honoré de vous avoir donc pendant cette couverture spéciale et surtout par rapport à cette occasion. On a le plaisir aussi d'accueillir Elias Djbeili, qui est ingénieur, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Elias Djbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhababik. Bonsoir Nasser et Belkfik. Merci pour l'invitation et je salue toujours notre Jamaldine Benchenouf. On dit notre parce que voilà, c'est notre quelque part. C'est vrai. Et à vous pour l'invitation. Ainsi que l'équipe El Magharibia qui assure la couverture et tous nos auditeurs qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Teksaha, merci. Barakallahu fik. Marhaba bik, Elias Djbeili. On a aussi le plaisir d'accueillir Azwa Ouchmarouk, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Azwa Ouchmarouk, bonsoir. Azoul Fellek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Merci pour l'invitation et bonsoir à toute l'équipe technique et ravi de retrouver Jamaldine et Elias à côté pour assurer cette émission. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Azwa Ouchmarouk. Jamaldine Benchenouf, je vais commencer avec vous très rapidement. Après, on va revenir bien sûr pour vous donner un peu plus de temps par rapport aux questions de notre émission. Mais d'abord, revenons donc à cet appel des ONG. On parle de 13 ONG. Il s'agit donc, je ne sais pas si nos amis de la régie peuvent nous mettre l'image donc, des noms des ONG qui ont signé donc, cet appel au boycott de cette élection présidentielle. Si c'est possible, nos amis de la régie. Donc il s'agit bien des collectifs des familles de disparus en Algérie, comité de sauvegarde de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Liberté Algérie, Mouvement Ebtikar, Riposte internationale, Thalwa Fatma Soumer, Coordination des organisations maghrébines des droits humains, COMED, Euromed Droit, Fédération internationale pour les droits humains, la FID, Forum de solidarité euro-méditerranéenne, donc FORSEM, Institut du CAIR pour les études des droits de l'homme, Organisation mondiale contre la torture, OMCT, et Shoua for Human Rights. Jamaldine Benchenouf. C'est très bien de ne pas se savoir seul dans cette énorme prison à ciel ouvert qui est devenue notre pays, où il n'est même plus permis d'exprimer la moindre petite opposition sur les pages Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, puisque beaucoup de gens sont en prison pour avoir osé cette liberté, pour s'être permis cette liberté qui devrait être tout à fait naturelle. C'est tout à fait normal, tout à fait naturel, tout à fait légitime de s'exprimer sur ce qui se passe dans son pays, tout particulièrement lorsque le pays est pris en otage par une junte, je ne dis pas par une armée, par une junte, par une mafiocratie qui dispose de ce pays comme de brisés qui appartiennent à un clan féodal,
qui empêche quiconque de pouvoir les contester. Et donc, quand on a de temps en temps, malheureusement trop rarement, l'occasion d'écouter des voix comme celle-ci, dont certaines sont algéro-algériennes. Absolument. Mais d'autres qui sont internationales, comme la Fédération internationale pour la défense des droits humains, dont notre compatriote, maître Issa Rahmouni, le vice-président, ça fait plaisir, on se sent moins seul. Voilà. Très bien. On va revenir aussi, Jamal Dine, sur aussi l'article qui est paru, donc, qui a été publié par Amnesty International aussi. Donc, juste pour revenir, pourquoi on est en train de mentionner tous ces organisations qui ont appelé à boycotter, si on peut dire, donc, cette élection présidentielle, mais aussi Amnesty International. Et là, on est en train de voir le titre. Le titre, bien sûr, c'est Algérie, les autorités doivent mettre fin à la répression de l'espace civique à l'approche donc de la présidence de l'élection présidentielle. Pardon. Donc, Jamal Dine aussi, je pense que vous avez lu cet article. Pourquoi on est en train de revenir sur ces articles? Parce que hier, c'était la fin donc de cette campagne électorale. Voilà. C'est juste pour rappeler l'environnement de cette le sentiment aussi des Algériens, des opposants par rapport à cette campagne électorale. Peut-être pouvez nous éclairer, Jamal Dine Mechnouf. Oui, Amnesty International, quoi qu'on dise, le régime qui a souvent traité, qualifié de tous les noms d'oiseaux, Amnesty International est aux côtés des peuples opprimés. Elle a toujours été aux côtés du peuple algérien, tout particulièrement depuis ces dernières années. Elle a toujours condamné ces dépassements, ces violations du droit, cette répression, ces incarcérations de militants politiques. Mais là, c'est réellement, il monte d'un cran pour dire que c'est trop, et que trop, c'est trop. On ne peut pas, pendant une campagne électorale, empêcher des militants de dire leur avis sur la façon dont se passent ces élections, sur la répression, sur le contrôle absolu du processus, au point où il n'y a pas une seule personne en Algérie, y compris les candidats lièvres qui accompagnent Tebboune dans cette farce, qui ne sait que les jeux sont faits. Que M. Tebboune est élu avant même, d'ailleurs son principal, relais, qui va faire le clown, hein, disons le mot, un peu partout en Algérie, M. Benguerina, qui se la joue populaire alors qu'il n'est que populiste, qui se la joue à payer des cafés aux gens, à faire semblant. Il l'a dit. Il a dit, nous savons déjà qui est le président. Absolument. Et il a même donné le taux. Il a dit, ce sera entre 70 et 80. Il a dit entre 80 et 90. 80 et 90. Il n'y aura pas de deuxième tour. Il n'y aura pas de deuxième tour. Il s'est même dit, la seule question que nous nous posons aujourd'hui est qui sera le deuxième. Tel point, ils sont tellement sûrs. Hein, c'est... Très bien. Mais bon. Et là, ça nous fait aussi rappeler, Jamal Dine Mechnouf, le titre de quelques presses, donc surtout internationales. On va revenir sur ce titre du journal Le Monde, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc, en Algérie, la campagne présidentielle sans espoir des opposants. Abdelmadjid Tebboune, c'est ce que vous êtes en train de dire. Jamal Dine Mechnouf, pas dupe du résultat final. Le Front des Forces Socialistes, qui avait jusque-là fait le choix de boycotter, a décidé de participer à la présidentielle du 7 septembre pour reconquérir des espaces démocratiques et réhabiliter les libertés d'opinion. Un pari risqué. Bien sûr, d'après... C'est vraiment trop faible. Hein. Voilà. On va rester peut-être dans une approche plus diplomate, on va dire. Voilà, parce que, franchement, surtout les gens, que ce soit du FFS ou du MSP, c'est des gens rompus à la politique algérienne. Rompus. Le FFS qui était dans la vraie opposition,
du temps d'Aït Hamed Rabbi Rahmo. Rabbi Rahmo. Qui sait ce que vaut ce régime, ce qu'il représente, ce que sont ses méthodes. Et le MSP qui a toujours flirté avec le régime, ce sont des islamistes bon chic, bon genre, qui, sous prétexte d'entrisme, fricote avec le régime, ils savent très bien. Ils savent qu'il n'est pas une chance sur 10 milliards que ce soit l'un des deux autres candidats qui puisse l'emporter. C'est impossible. Mmh. Et donc, c'est se moquer du peuple, en fait. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. On va donner la parole à Lies Jbeili, bien sûr, puisqu'on parle de cette fin de campagne électorale qui a été marquée par ce rassemblement à la coupole de Abdelmadjid Tebboune, mais aussi ses déclarations. On va écouter dans cette petite vidéo Abdelmadjid Tebboune. Kunna fil mu'akhira nta Afrika. Aujourd'hui, l'économie est la troisième en Afrique. Dakhl qawmi ta'i. إن شاء الله بكم وبقدرة إلهية وبمساعدة الجميع نوصل إلى 400 مليار دولار إن شاء الله كنا في المؤخرة نتاع أفريقيا. Voilà, donc vous avez entendu, ça c'était pendant le rassemblement qui a été organisé par le candidat Abdelmadjid Tebboune hier à Alger, à la coupole. Lies Jbeili, bien sûr, on a entendu des chiffres, des déclarations de Tebboune ces derniers jours. La troisième économie de l'Afrique, la deuxième économie de l'Afrique. Après, il avait déclaré la troisième économie du monde. Et beaucoup, bien sûr, d'observateurs et de spécialistes étaient surpris de ces déclarations. Votre réaction, Lies Jbeili, comment peut-on donc qualifier cette campagne électorale, Lies Jbeili? De revenir sur une déclaration pétition qui a été faite par des citoyens. C'est une déclaration pétition qui a été faite, qui a été écrite et qui a été proposée à pas mal de ressortissants et de nos compatriotes à travers le monde, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, dont, cher ami, Azoua fait partie de cette initiative. Et qui a quand même il y a 110 signatures, des chercheurs, des universitaires, des économistes, des ingénieurs, des médecins, des simples militants, enfin tous nos compatriotes qui souhaitent vraiment le changement. Donc c'est une déclaration de positionnement, d'accord, par rapport à ce qui se passe en Algérie, ça c'est très très important. Il y a des conditions qu'il doit revendiquer et surtout la question des détenus d'opinion. Je ne vais pas vous faire le panorama de ces revendications. Enfin, une des conditions, c'est la question des détenus d'opinion, cher Nasser. Il faut savoir, et demain, j'attire votre attention, il y aura une conférence de presse au Maltais. On a invité la presse. Il y aura parmi les conférenciers nos militants qui vont mettre en exergue cette déclaration et répondre aux questions à la presse et surtout par rapport aux élections présidentielles anticipées, ce qu'on appelle la mascarade ou la Kemet Gunta, le carnaval Fidache. Permets-moi, cher Nasser, de revenir sur la question qui me tient à cœur. C'est la question des détenus d'opinion. Il faut savoir que nos compatriotes, il faut qu'ils sachent, Yarafou, depuis 2022, les autorités algériennes, moi, je ne dirais pas les autorités algériennes. Moi, je change le terme. Je dis les décideurs ont décidé de modifier le code pénal de 2024. Ils ont décidé de le changer, le code pénal. C'est-à-dire quoi? Ils ont introduit une série d'amendements législatifs alarmants pour porter un coup dur aux droits humains. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tuer aussi la dissolution de certains organismes, Maraj, la Fédération des droits de l'homme algérien, c'est-à-dire, c'est anéantir toute voix libre qui veut s'exprimer en Algérie. Et la raison, j'ai lu à peu près succinctement ce qu'a écrit Amnesty International, le peuple derrière les barreaux, comme le disait très justement Jamaldine, c'est une prison à ciel ouvert. Voilà, ça, une chose. Deuxième point, j'ai suivi comme un citoyen qui habite en dehors du territoire national. Parce que je me sens algérien et c'est de notre devoir de suivre ce qui se passe en Algérie. Eh bien, c'est une mascarade. Sur 13 candidats, 3 retenus,
candidat sortant. Maintenant, on l'appelle candidat indépendant. Moi, c'est un candidat sortant qui s'est redésigné, reconduit pour briguer un deuxième mandat. Les deux autres candidats, c'est une carte de configuration, reconfigurer un petit peu les courants idéologiques du pays pour un petit peu prendre les voix en Kabylie, pour bourrer les urnes à partir du moment où vous avez un courant démocrate, variant de Kabylie, c'est un petit peu pour pousser la Kabylie à voter et de facto leur donne l'occasion de bourrer les urnes et nous pendre un taux, je ne sais pas de combien, et de leur côté, ce qu'on appelle le courant conservateur qui fait partie de la composante de notre société algérienne. Donc tout est dessiné, tout a été conçu dans l'arrière-chambre des décideurs. Maintenant, quant au programme, mais moi j'ai voulu voir le programme de M. Youssef Aouchi, secrétaire général, qui a voulu se relancer dans l'élection présidentielle après 25 ans de boycott. Sur le plan, il est libre de le faire. Mais quand même, sachant que son programme, c'est une copie intégrale de M. Tebboune, sauf qu'il propose aussi la libération des détenus d'opinion et l'abrogation de l'article liberticide, l'article 87 bis. Mais aucun des deux candidats, et surtout, j'ai écouté sur ce qu'il a dit à Gigi, aucun candidat des deux, d'ailleurs, n'a parlé sur le programme défaillant, sur le premier mandat complètement le plus répressif de l'histoire de l'Algérie, de Tebboune. Quand vous présentez, vous voulez candidater pour un poste suprême, à la rigueur, je sais, nous savons que c'est une mascarade. Nous savons que c'est une érosion de l'argent algérien. Nous savons, parce que tout a été décidé, aucun des deux candidats ne part du programme de Tebboune. C'est quoi être candidat? C'est-à-dire dénoncer le programme de tel ou tel et dire ce programme, ce point ne va pas, l'économie ne va pas, le tissu social ne va pas, ceci ne va pas. Personne. Ça veut dire que tout a été configuré. Après les élections, le 7, le 8, il y aura une négociation de poste pour le poste de ministère. Et pourquoi pas, prendre une assise quand les élections législatives arrivent. Voilà, c'est une mascarade. Donc c'est un non-événement, Narsab. C'est un non-événement pour le peuple algérien. Parce que moi, je le redis, tout à l'heure, j'étais à une autre chaîne, je dis que l'élection présidentielle ne va pas résoudre le problème algérien. Le problème algérien doit passer par une transition démocratique, négociée pour sortir le pays avec le concours de toutes les forces vives et tous les militants, tous les patriotes de l'Algérie, sans exception. Restez avec nous, Elias Djbeyl. Puisque vous avez parlé des autres candidats, de Hassani, mais aussi de Aouchiche, Hassani du MSP, Hams, Aouchiche du FFS. On va écouter donc dans ces passages Hassani et Aouchiche. الجزائريون في أرجاء هذا الوطن لا ينقصهم إلا حكم راشد يأخذ بعوامل الحوكمة والرشادة. على هذا التمسك بوحدتنا الترابية وبسيادتنا الوطنية التي نلتزم أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة صنعنا وإياكم الملحمة ولكن هذه الملحمة لن تكون متكاملة إلا بتجندكم بوقوفكم وبخروجكم بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف أو بالملايين للتصويت لمشروعنا الرئاسي رؤية وإعطائنا الفرصة على هذا التمسك بوحدتنا الترابية وبسيادتنا الوطنية التي نلتزم أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة صنعنا وإياكم. Voilà, donc on a entendu Hassani, le candidat du MSP, mais aussi Youssef Aouchiche, le candidat du FFS. La question qui a été posée par Elias Djbeyl, c'est que même ces candidats ne critiquent pas le bilan de Tebboune. La question a été posée, puisqu'on parle d'une campagne électorale. C'est des concurrents. Au contraire, on a vu même Hassani faire la promotion des politiques de Ahmed Tebboune, puisqu'il a parlé de Siyasa Rachida, une politique, si on peut dire, sage, rationnelle. Azoua Chmerouk, comment peut-on qualifier cette campagne électorale? Beaucoup peut-être ont dit qu'il ne s'agit pas d'une campagne électorale, il s'agit d'une campagne de répression.
Oui, bien sûr qu'il s'agit d'une campagne de répression. Bon, la répression n'a pas changé depuis 2019, vu que, comme disait l'autre, c'est que celui qui fait une demi-révolution, c'est comme s'il avait creusé sa tombe. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour nous actuellement. Donc on n'a pas su convertir le Hirak ou le mouvement populaire c'est-à-dire en proposition politique, et là aujourd'hui on paye des prix. Mais le pouvoir, il est dans son rôle, si j'ose dire. Donc il doit se maintenir, et il n'a que la violence pour se maintenir, et on voit les résultats aujourd'hui. Donc la répression depuis 2019 n'a pas changé. Après, pour la campagne, c'est que je l'avais dit sur votre émission la dernière fois, c'est une campagne de chantage et de provocation. Donc on a vu à peu près tous ceux qui sont ceux, pardon, ceux qui soutiennent Abdelmadjid Tebboune provoquer sans cesse le peuple algérien à revenir aux pratiques de l'ère de Bouteflika. Et puis si on voit on attaque, c'est-à-dire cette campagne, si on peut l'appeler comme ça, donc du côté des opposants, si on peut les appeler justement comme ça, malheureusement, ils n'ont pas joué leur rôle. Bon, c'est compréhensible parce qu'en fait, ils se sont pesés depuis 2019, ils savent qu'ils valent rien sur la scène politique algérienne, donc ils doivent jouer un rôle, ils doivent offrir leur service au pouvoir algérien. C'est aussi simple que ça, que ce soit le FFS de M. Aouchiche ou le MSP de M. Hassani, c'est pareil. Donc, comme ils ne pèsent rien sur la scène politique, ils doivent jouer, ils doivent offrir leur service au pouvoir algérien. Donc, si vous voulez, je vois mal comment ils vont critiquer le bilan du président, alors que c'est censé être le cas. Quand un président sortant, c'est-à-dire se présente pour une élection dans toutes les démocraties du monde, c'est-à-dire, si vous voulez, l'axe d'attaque des oppositions, c'est justement c'est le bilan du président sortant, c'est-à-dire pour offrir quelque chose. Pourquoi, ça veut dire de essayer de convaincre la population, pourquoi nous choisir et ne pas choisir un président sortant, c'est-à-dire c'est de l'attaquer sur son bilan. Alors que chose qu'on n'a pas vu des opposants, enfin des soi-disant opposants, parce qu'ils doivent, c'est-à-dire répondre à un cahier des charges, entre guillemets, exigé par le pouvoir algérien. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on vous donne un certain poids factice, si vous voulez, sur la scène politique, mais vous ne devez pas dépasser les lignes qu'on aura dessinées, donc que Tebboune et Chengeli Ham aura dessinées. Mais c'est pas étonnant dans une Algérie pareille. Donc il faut tout le monde le sait. Il n'y a pas, c'est pas un secret de Polichinelle, c'est que l'Algérie depuis 2019 a sombré dans la dictature et le totalitarisme. On a vu d'ailleurs un exemple très très édifiant, c'est de jamais vu, je pense, hein, donc avec ma petite expérience dans la politique algérienne, c'est de jamais vu. On a vu le journal Moudjahid, qui est bon, connu pour défendre à la solde du pouvoir. On a vu à la une disait que le Sud avait tranché en faveur de Tebboune. Alors que ça, c'est-à-dire si on voit légalement, hein, c'est-à-dire si on regarde juste le code électoral, c'est une transgression de la loi algérienne. Mais personne n'en parle. C'est pour ça que ce qui m'attriste réellement, c'est-à-dire de la part de ces opposants, c'est de ne pas se retirer et de ça serait un geste très très fort de se retirer à ce moment-là, de se dire que c'est pas normal à ce que toute l'administration, toute la presse, et quand on dit la presse, quand on dit le Mujahid, aujourd'hui, pratiquement toute la presse algérienne, c'est des photocopies de le Mujahid aujourd'hui. Hein. On a vu le Khabar, on a vu le Soir, on a vu pratiquement tous les journaux aujourd'hui, c'est des photocopies de le Mujahid. Donc, quand on voit l'administration, quand on voit tous les médias, ça veut dire courir derrière un seul candidat, à ce moment-là, je pense qu'il serait plus digne et judicieux pour ces candidats de se retirer. Ça serait peut-être un coup politique quand même important. Voilà, donc Très bien. au moins, ils sauveraient un petit peu leur dignité politique, si on peut dire. Très bien. Restez avec nous, Azoua Ouchmaroukh. Jamaldine Bechnouf. La question qui a été soulevée par Azoua Ouchmaroukh, elle est pertinente parce que aussi on a vu, observé donc pendant la campagne électorale l'utilisation des moyens de l'État en faveur d'un seul candidat. Bien sûr, il s'agit de Abdelmadjid Tebboune,
On va revenir peut-être aussi, vous pouvez nous donner votre sentiment par rapport à cette question, mais on va revenir sur les déclarations qu'a faites notre ami Ilyes Djebaïli, qui a qualifié cet événement de non-événement. Est-ce qu'on peut le qualifier de non-événement quand il y a des organisations, des ONG qui appellent au boycott de cette élection présidentielle? Est-ce que c'est un acte politique de boycotter cet événement? Est-ce que c'est un non-événement? Votre réaction? C'est une pierre de plus qui a été attachée à la corde autour de l'Algérie pour la faire couler plus vite, comme on faisait avant pour les chats qu'on voulait noyer. On leur entourait une corde autour du cou, qu'on alourdissait d'une pierre et on les jetait à l'eau. Là, c'est la même logique. C'est l'éperdue fuite en avant, vers le mur, vers l'abîme, vers... Et le comble, c'est que ces gens n'ont plus de pudeur. Ça veut dire, eux, ils savent que le peuple sait. Mais ça ne les empêche pas de continuer à faire comme s'ils ne savaient pas, comme s'ils avaient réussi à l'enfumer. C'est le fait que, le fait que le peuple n'a pas suivi cette campagne électorale, même les rassemblements qui ont été faits, on parle de 4 rassemblements pendant cette campagne électorale qui est vraiment dérisoire par rapport à une campagne électorale. On a vu les bus transporter les populations d'une région à une autre, à une ville, pour faire remplir les salles. Est-ce que aussi le fait que les gens, il n'y a pas cet engouement, les gens ne s'intéressent pas à cette élection présidentielle, est en lui-même un acte politique? Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est une façon de protester. L'attitude passive de toute une population dans un événement qui concerne sa nation, l'avenir de sa nation, veut tout dire. C'est le désintérêt, c'est les gens sont dégoûtés, écœurés, ils sont fatigués, ils ont peur de retomber dans la violence. C'est pour ça qu'ils ne s'expriment pas, qu'ils ne sortent pas dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, en plus de tous les autres épouvantails qu'on leur agite sous le nez, de l'ennemi extérieur, du terrorisme, ils savent que ce spectre de la violence terroriste d'État pèse sur l'avenir de l'Algérie, cette armée qu'on surarme, entre autres, c'est surtout pour une éventuelle contre un éventuel sursaut du peuple algérien. C'est l'armée, c'est l'armée qu'ils ont pris en otage, cette junte et ce système. C'est aussi pour réprimer éventuellement demain le peuple algérien, pour mener une véritable guerre contre lui. Non pas une guerre civile, mais une guerre contre les civils. Comme cela a eu lieu dans les années 90, soi-disant pour combattre le terrorisme. Et là, puisque je vais apporter de l'eau dans votre moulin, c'est qu'on vient d'apprendre, on vient de m'envoyer cette information, d'après le MDN, je pense, le ministère de Défense nationale, DIFA, et ça c'est le Achourouk, ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية من نوع سيمينوف ومخزن للذخيرة. C'est ce qu'on vient de publier donc juste un instant. On ne sait pas est-ce que c'est des terroristes, est-ce que c'est il s'agit de qui, mais aussi le timing. On a le droit de se poser cette question. Pourquoi maintenant? Évidemment, tout le monde le sait. Moi, je le savais. Je l'ai déjà dit. Attendez-vous à des actions terroristes, à des menaces terroristes. Ça fait partie de leur méthode. Et vous imaginez la saisie d'un... D'ailleurs, ils disent Moussedes Kalachnikov, je ne suis pas très arabisant, mais à mon avis, il y a une erreur quelque part. Parce que Moussedes, il y a 6 balles dans l'arme. Absolument. Alors que Kalachnikov, c'est une quarantaine de balles. Mais enfin... Moussedes Rachech. Un pistolet à 6 balles. Kalachnikov. Siminov. Siminov, c'est connu, c'est le fusil de l'armée algérienne. Et pardon, parce qu'il y a une autre information que je n'ai pas lue aussi. Tawqif Khamsa Anasir. Donc on a arrêté 5 personnes. دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. يا ناصر، شوف،
Moi, je vais essayer d'aller droit là où ça fait mal. Mm. Ces groupes terroristes qu'on nous agite tout le temps. Mm. Tout le temps. D'un côté, ils disent « nous avons vaincu le terrorisme ». Il n'y a plus de terrorisme en Algérie. D'un côté, il y a comme une sorte de terrorisme résiduel qui est là, mise en veilleuse, en sommeil, prêt à l'usage en cas de besoin. Vous vous rappelez de Dahdouh 1 qu'on nous a montré un jour, qu'on nous a dit il se cachait dans une grotte depuis 7 ans. Mm. Vous vous rappelez de son image? Mm. Bien rasé, les moustaches bien peignées, habillé avec des vêtements de marque. Vous vous rappelez? Mm. Oui, absolument. Donc, c'est quoi ce terrorisme? Moi, j'aimerais comprendre. C'est quoi? Est-ce que c'est du terrorisme islamiste? On a, depuis des années, on n'a pas entendu des groupes terroristes se réclamer ou se revendiquer du terrorisme islamiste, de la charia. On n'entend plus. Ni dans la rue, ni de communiquer, ni l'ACMI, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que eux, quand ils ont décidé d'arrêter le terrorisme, de donner le coup de sifflet de la fin, il a suffi d'un discours de Bouteflika pour que tout ça s'arrête. Avant la charte, quand il a dit aux généraux, ça y est, je vais vous amnistier par référendum. Ils vont tout vous pardonner, on n'en parle plus, vos dossiers seront enterrés. On n'aura même pas le droit de faire une enquête universitaire, une recherche universitaire sur ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté d'un coup. C'est pas que, par exemple, ça s'est arrêté progressivement. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et là, c'est vous dire, donc, qui contrôlait le terrorisme? Donc vous êtes en train de dire qu'on est en train d'instrumentaliser l'épouvantail du terrorisme. Bien sûr. À des fins électorales. Ceux qui contrôlaient le terrorisme, quand ils ont décidé de l'arrêter, après une douzaine d'années de sang et de larmes, ils l'ont arrêté du jour au lendemain. Et ça, c'est le plus puissant argument que ceux qui contrôlaient le terrorisme pédagogique, c'était les gens du régime. Ok, ils l'ont arrêté, mais ils ont dit « Ah, mais c'est une arme, c'est un potentiel qui pourrait nous servir demain. Mmh. » Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter, on va les débander, même eux, on va leur pardonner, même les vrais terroristes islamistes, parce qu'il y en avait. Mmh. On va leur pardonner tous, on va passer l'éponge, mais on va laisser des petits groupes en sommeil. Ils peuvent rentrer chez eux, leur commerce de gros, faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils savent qu'ils sont en réserve de la République. Si on les appelle, il faut qu'ils répondent. Mmh. Et de temps en temps, maintenant, quand ils ont envie de semer un peu la peur, quand ils ont envie de semer la menace d'un retour au terrorisme, le roule. Mmh. Alors il demande à ces gens, il dit, hack Kalachnikov, hack Siminov, c'est quoi? On peut faire du terrorisme avec un Kalachnikov et un Siminov? Ou là, peut-être mieux encore. Il piège quelqu'un qui veut vraiment faire du terrorisme à son insu. C'est pas lui qui l'obéit aux gens du DRS. Qui les manipule. Il le manipule, il l'arrête, et bien sûr, il n'arrête pas ses chefs. Et ils le conduisent devant la caméra de la télé. Et il avoue toute sincérité, parce que c'est vrai. Lui, c'est un vrai terroriste. Mais lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas que c'est une marionnette dont ceux qui agitent les ficelles se trouvent dans des bureaux à la présidence, au ministère de la Défense, chez les gens les sécuritaires, etc. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine. On va essayer de soundbite tous nos amis de la régie, si c'est possible. J'aimerais, Jamaldine aussi, si vous pouvez nous dire après qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration d'Amadjid Tebboune quand il parle de Ouyahia. على الثقة أولا، على التكليف بتسيير الطاقم الحكومي الجديد، أنا ممنون وشاكر.
أعيد فخامة الرئيس أننا سنواصل المشوار الذي بدأه أخي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب أنا وعبد المالك بيناتنا 33 سنة رفيق الدرب سي أحمد الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس وأعتبر أنها ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب دور ما نسمحوا لهمش وتكون لنا درس باش ما نطيحوش مرة أخرى في هذا الفخ سرقوا ثروات هذه البلاد تاع الشعب بغاو يجوعوا الشعب مسؤول في هذه البلاد يقول جوع كلبك باش يتبعك Vous avez entendu Majid Tebboune, ça c'était hier à la coupole à Alger. Ce qu'il a déclaré auparavant, ce qu'il a déclaré hier donc, dans ce rassemblement à Alger. Lies Jbeili, quand on écoute Majid Tebboune, on se pose la question bien sûr, comment il a changé de cette façon quand il parle de Ouyahia. Bien sûr, il parle de l'herbe Bouteflika, il dit la Isaba. Votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Tout d'abord, en fait, il faut qu'on essaie de revenir au point cardinal. Question centrale. Qui gère ce pays? Ça, c'est très important. Vous savez, tout le monde parle de régime militaire, mais c'est un régime militaire, finalement, désormais, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, Jamel Din, ouvertement affiché maintenant. C'est-à-dire où les généraux il contrôle à la fois la présidence de la République comme les services de renseignement de sécurité. C'est-à-dire l'équilibre instable des pouvoirs, il n'existe plus. C'est-à-dire tous les civils travaillent sous le strict contrôle des militaires. C'est ça la question. Elle a complètement changé. C'est-à-dire on se dirige vers une militarisation très, 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 très avancée. Il y a 7 chefs d'État qui ont gouverné l'Algérie. Mais sous la gouvernance ou sous le mandat de M. Tebboune, le régime il est beaucoup plus répressif. Beaucoup plus répressif. Quand on voit M. Tebboune, il dit que l'allocation d'un demandeur d'emploi 2000 dinars, elle est alignée au même titre qu'un salarié SMIC 20 000 dinars. On se pose la question, est-ce que vraiment il le fait exprès ou les conseils le font exprès ou il y a un clan qui le pousse à commettre ce genre d'erreur? C'est ça la question. Parce qu'à chaque fois, on se dit manque d'intelligence. Moi, à mes maigres un peu informations, c'est un énarque. Quand on est énarque, on passe par une école nationale d'administration. Ça veut dire qu'on a fréquenté les bancs de cette école et minimum, on a suivi avec assiduité ou non certains cours. Donc finalement, est-ce que c'est lui qui quand il harangue les foules, quand il harangue le dit, il parle. Est-ce que c'est lui qui parle ou derrière lui, c'est un clan qui l'impose à dire ceci? Moi, je l'ai écouté quand il dit « Jouwa al-Kilb » et « Jelé Warak ». Mais il faisait allusion aussi à Ahmed Ouyahia. Ça veut dire Ahmed Ouyahia, quand il disait que, enfin, il n'y a plus d'argent, les entreprises sont défaillantes, voire déficitaires et ceci. Donc, il faut prendre l'emprunt à famille, c'est-à-dire demander de l'argent. Donc un emprunt, c'est pour investir, il n'y a pas de mal. Allez, un simple militant en Europe, quand il veut, il peut demander un prêt bancaire pour acheter une maison, là, pour acheter une voiture, ou là, pour relancer une affaire, ou là, ceci, à condition que ce soit prolifique et dans l'intérêt, c'est ça. Donc on a l'impression, lui, il répond à un agenda. Il attaque Ahmed Ouyahia, sachant que lui, il est resté que 17 jours sous votre contrôle. Parce que je me rappelle, il est venu prendre une petite visite parisienne. Il a eu une petite entrevue avec l'ex-premier ministre français, Édouard Philippe. Vous vérifiez cette information si c'est vrai ou pas. Après, finalement, c'était le premier ministre éphémère de la République. Donc, Hadel Insane, pour moi, est-ce que c'est l'homme de la situation pour gérer l'Algérie? Oui ou non? Moi, je dis non. J'en suis sûr que Charles Jazeri, il sait Hadel Insane, mais il ne peut pas prendre ce genre de poste. Même un monsieur de Gilfa qui peut être très loin d'Algérie, on voit les vidéos. Il dit qu'on a mis un neige. Donc c'est juste c'est pour faire passer. Je ne sais pas. Il joue un rôle. Il le joue de façon ubuesque ou de façon magistrale. En tout cas, il n'est pas l'homme de la situation dans une Algérie qui cherche des réformes
structurel en profondeur pour changer le tout. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Elias Djoubaïli. Azoua Oushmerouk, yani, quand on entend Ahmedji Tebboune parler de Ouihia, lui qui disait auparavant, yani, Rafiq Derb, avec tous ces mots de respect envers Ouihia, envers Abdelmalek Sellal, qui sont en prison. Après, dans ce rassemblement, hier, il disait donc un responsable qui disait Djoua Kelbek. C'est ce qu'il disait, donc il a tapé fort contre Ouihia. Et pourquoi? Donc il dit une chose, il dit son contraire, c'est contradiction de Al-Majid Tebboune. Comment vous les lisez, Azoua Oushmerouk? Permettez-moi d'abord de commencer par quelque chose que je pense malheureusement que... c'est que la solution algérienne, je l'espère pas, mais je pense que c'est une, si vous voulez, la violence, ça va être une nécessité historique, malheureusement. C'est que si ça continue comme ça, c'est ce pouvoir qui conduit. Parce que 2019 avait offert quelque chose de très formidable à l'Algérie, c'est-à-dire une transition pacifique, et le peuple avait donné une leçon de civisme et de responsabilité assez extraordinaire, mais malheureusement, le pouvoir n'avait pas écouté d'une oreille de responsabilité, c'est-à-dire le civisme des Algériens, mais l'avait entendu autrement, c'est-à-dire une faiblesse. Et je ne l'espère pas, mais ce pouvoir conduit l'Algérie à une c'est-à-dire à une issue violente, malheureusement, qui serait une issue historique. Je ne l'espère pas, bien sûr. Et on combat justement pour ça, nous, les militants, à ce que la transition soit faite avant que les... Et pourtant, Azoua Oushmerouk, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Et pourtant, en 2019, ces millions d'Algériens qui sont sortis pacifiquement, ils ont rejeté la violence. Certes que leur revendication, c'était donc de changer de système, de gouvernance, de direction par rapport à notre pays. Mais ils avaient aussi les clichés des années 90. Et les Algériens savent très bien que le parcours, le chemin de la violence ne mènera qu'à la destruction de notre pays. Et le message était très clair en 2019, que ce Hirak ou ce soulèvement populaire était avant tout pacifique. Bah, vous savez, ce qui a sauvé l'Algérie, c'était le pacifisme des Algériens. Ce n'est pas la responsabilité du pouvoir, ni de la junte militaire. C'est justement, si on n'avait pas connu les années 90, c'est parce que le peuple était pacifique. Mais je vous dis, c'est que le peuple, c'est-à-dire le pouvoir, pousse les Algériens. Vous savez, c'est quand on qualifie deux organisations, en l'occurrence Salah Chadi, le MAC, d'organisation terroriste, ça, c'est un pourrissement de la situation politique. Vous savez, qualifier quelqu'un de terroriste, c'est-à-dire que ça passe par la justice. Seule une justice indépendante et libre pourra qualifier quelqu'un de... Ce n'est pas... Et nous, on l'a vu passer par le conseil de défense, c'est-à-dire qui est un organe consultatif, c'est-à-dire si on revient à leur propre constitution. Donc il n'a pas de décision à émettre, mais plutôt des consultations et des avis. Alors qu'on a vu la qualification de ces deux mouvements, de mouvements terroristes, à l'issue d'un, et comme une résolution d'un des conseils de défense. Maintenant, pour répondre à la question, votre question, c'était quoi? Vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? C'était cette contradiction dans le discours de Tebboune. On a vu ses anciennes déclarations par rapport donc, à Ouihia et Sellal, qui qualifiaient de Sadiq Derb. Et là, pendant donc, ce rassemblement hier à Alger, il a attaqué donc, Ouihia, qui est en prison, mais aussi à la Issaba. Comment expliquer donc ce retournement d'Ahmedji Tebboune, mais aussi ces contradictions dans ses déclarations? Vous savez, ça peut s'expliquer justement par des raisons personnelles ou psychologiques. D'abord, psychologiques, où M. Tebboune, je le pense, Bon, après, je n'ai pas, je ne suis pas psychologue pour le cerner psychologiquement, mais je pense que c'est un faible capable de faibles infamies, comme le disait Bourdieff dans son livre Où va l'Algérie. Il a parlé justement des faibles capables de pires infamies. Tebboune était un sous-fifre de Bouteflika, donc il n'avait pas assez de pouvoir.
Vous savez, quelqu'un qui n'avait pas assez de pouvoir, quand il a le pouvoir, quand il exerce le pouvoir, ce qu'on appelle le syndrome du bris, c'est-à-dire que ça le rend fou. Donc il peut tout dire, il peut tout faire. Donc, la situation actuelle, c'est que ça peut s'expliquer par l'exercice de pouvoir par un faible, qui est Abdelmadjid Tebboune. Et puis, pour des raisons politiques, il faut bien qu'il se maintienne. Vous savez, il est en train de... Enfin, c'est pas qu'il est en train. Depuis 2019, le régime de Tebboune construit son récit et son bilan tout autour de contre-bouteflikanisme, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire que le peuple algérien est sorti en 2019 contre la SABA, qui est incarnée par Saïd Bouteflika, Bouteflika et toute sa bande. Donc, si vous voulez, pour convaincre une partie de la population, il faut qu'il leur vende quelque chose. C'est quoi ? Donc, il n'a pas de bilan à vendre, Abdelmadjid Tebboune, à part la répression et la régression des libertés dans tous les domaines. Il n'a pas de bilan à vendre. Donc, il doit vendre quelque chose, c'est-à-dire celui de s'opposer à l'ère Bouteflika. Donc, toute sa politique, tout son récit repose, toute sa propagande repose sur ce fait de se démarquer de l'ère de Bouteflika. Et aujourd'hui, ce qu'il oublie, ce qu'il semble oublier, c'est qu'aujourd'hui, on a la VAR, si on peut l'appeler comme ça. Donc, il ne peut pas s'échapper aux vidéos, aux articles de journaux qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup, Azoua Chmerouch. Désolé parce qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Jamaldine Meshnouf, très rapidement, je vais vous faire montrer cette dernière vidéo à tous les invités aussi, à mes invités. Marad, qui est donc le ministre de l'Intérieur, mais aussi le directeur de campagne de Abdelmadjid Tebboune. الورق ما كان والو غدوه يكون كلشي ان شاء الله اذا لا كان نتوما تحبوا بومدين حبوا ماشي تبون راهم نفس الطينه جمال الدين votre réaction vous avez les gens n'ont pas bien entendu, c'est quelqu'un dans l'assistance qui dit « Makanwalou ». C'est pas la peine de mentir. Ça veut dire que c'est un aveu de ce que Tebboune n'a rien fait pendant le premier mandat. Mais sinon, pour reprendre votre question sur Tebboune, vous savez, moi non plus, je ne suis pas psychologue comme mon ami Azouaou. Mais il est connu que les personnes, les personnalités pusillanimes, versatiles, qui savent si bien se cacher, se couler dans l'ombre, se coucher aux pieds de ceux qui leur marchent dessus, quand ils ont l'occasion de se venger, ils sont terribles. Ils ne reculent plus devant rien. Parce qu'ils sont pleins de haine, de rancune, de rancœur. C'est le cas de M. Tebboune. Il a passé toute sa carrière politique à l'ombre des autres, à se faire taper tout le temps sur la tête. Vous avez entendu ce qu'il a dit « Oqsimu billah al-azim al-barnamish ta'ahamatu umri matkhalali » Il a qsim trois fois. Donc maintenant, Bouteflika, c'est son punch ball. Il passe son temps à lui taper dessus. Ouyahia, moi je suis sûr, et je n'ai aucun atome crochu avec Ouyahia, je suis sûr qu'il n'a pas dit « Tebbek al-bek » Et le fait que Tebboune utilise ça, parce qu'il sait qu'il ne s'adresse pas au peuple, il ne s'adresse pas aux gens dignes, il ne s'adresse pas aux gens qui ont de la retenue et de la distance. Lui, pour lui, c'est de la populace. Il faut nourrir ses instincts les plus bas, les plus atroces. Il faut permettre au furoncle de s'emplir de pu. Il est dans cette... Et même cette campagne, vous croyez qu'il fait la campagne pour être élu ? Il est déjà élu. Il fait la campagne pour remplir les bureaux de vote. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, son premier mandat, ça c'est un chiffre indiscutable. Demain, quand il y aura un vrai temps, on pourra le savoir. Ils n'ont pas dépassé les 15%. C'était le boycott le plus fort depuis l'indépendance. Mais ils l'ont monté à 40%. Parce qu'il est dans leurs possibilités. Cette fois-ci, ils veulent plus. Parce qu'ils ne veulent pas le monter à 40%. C'est trop faible. Ils veulent un chiffre d'au moins 60%. Et ce n'est pas 80%. Et c'est pour ça le choix des deux autres candidats. D'abord. Et ensuite, il faut absolument
qu'il y ait du monde dans les bureaux de vote, y compris en Kabylie. Et là, moi je sais que la Kabylie ne va pas voter. Eux, ils croient tenir la Kabylie, ils croient l'avoir encadrée, enserrée, mise dans un carcan de partout. Hein. Ils ont utilisé leurs hommes, les KDS, les Kabyles de service, dont beaucoup sont milliardaires. Ils sont dans la JSK, ils sont dans la société civile, ils sont dans Tizi Ouzou, ils sont à Abjaya, ils sont partout, là où il y a de l'argent, là où il y a des services, là où il y a du trafic. Et ils ont même convaincu des gens qui sont très aimés en Kabylie, d'appeler jusqu'à Naïma Salahi, qui nous désignait les Kabyles comme étant les ouaves. Les gens, les malazim, ils ne jouent pas ou malazim, ils ne t'ajoutent pas. Vous rappelez? Aujourd'hui, elle lance un appel au Kabyle, à la Kabylie al-Habiba d'aller voter. Mais moi, je sais que personne, même si on a l'impression que toute la Kabylie va voter, mais moi, je sais, parce que moi, je connais la Kabylie, que s'ils font un exploit, un miracle, ils ne dépasseront pas les 5%. Et vous allez voir, c'est dans quelques jours. Très bien. Atek Sahad, Jamaldine Benchenouf. Merci à vous, Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique. Vous étiez avec nous, Atek Sahad, Lias Dubaili, ingénieur économiste et militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Et merci à Azoua Chemrouk, militant politique. Il était avec nous aussi depuis Paris. Je termine avec cet hommage à Alban Lichti, le premier soldat du refus de la guerre d'Algérie, est mort à l'âge de 89 ans. Il était le premier appelé français à avoir publiquement refusé de prendre les armes pendant la guerre d'indépendance algérienne. Ses obsèques se tiennent donc aujourd'hui à Trappes, dans les Yvelines, en France. Ceux qui nous disent qu'il y a que les gens du sérail ou du pouvoir qui protègent et aiment l'Algérie. Alban Lichti a prouvé le contraire. Un Français qui a défendu l'Algérie et les Algériens. Qawa al-akhir.